Ça va, mon ami. Allons-y! On continue l'aventure! Continuez! Coff, vous dites que cette boîte nous a donné la parole, le pouvoir magique et la science! Ça n'a pas de prix. C'est une preuve historique que le chat et les chiens peuvent être amis. Tenez, prenez ceci. J'arrive juste à temps pour l'histoire magnifique des chats et chiens! Merci beaucoup, j'ai espoir que nous soyons de nouveau en paix. Avec un voisin sympa, tout ça. On va chercher des crottes de caribou, cette fois. Ah, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ouch. Qu'est-ce que tu as hurlé? Tu n'as jamais vu un chien sans collier? Ah. Arrête de chialer. Vos chiens ont l'air nouveau ici. Attention à ces cactus. Ah, la boyade. J'avoue. Caribou, quoi? Es-tu fou? Excusez pour reniflement. Bon, où suis-je? Pas sûr que je suis à la bonne place. Ah ouais. Ben attends. Ah ouais, je suis à la bonne place. Il tombe facilement. Level 30, je suis quoi moi? 42? On va aller voir. Eh bien, toi, tu fais quoi dans la vie? Les Genèse de Quake.
Et voilà. Moi j'écris, j'adore écrire des histoires. Habit de mage. Niveau 7, je pense que j'attends un peu là. C'est vrai que c'est pas le gros coffre est là-bas. Pas mieux. Moi j'écris. Ah t'écris. Pas certain si c'était... Ok. Oh. Ça passait là, je... C'est pas concentré en tout, ça paraît, là. Ah, vache. De quoi. Chier. Faut qu'on s'entre en tout. J'ai déjà fait ça, mais ça. Ah non. On verrait, non? La lame de chaventurier. Le beau petit chapeau. Sauvegarder. Hey, t'es chez Galagou, prends ta chaîne, regarde-moi. Ça fait plaisir de t'en faire. Oh yeah! Tu vois la cave que je viens de faire, ça, par exemple? Rien.
Allez, le combat sera fatal. Pour eux. Chapeau. Emplis-toi! Sauvegarder un peu, prends pas de chance. Je sais pas si je les ai fait ça. Reste à manger. Sang royal invoque ton pouvoir intérieur. Vous avez pris le chat furieux. Eh, tabarnache! Chat furieux. Bella. Pas dit Béran.
Salut Dark Slayer Québec. J'ai quand même différencié mes couleurs. Hey, y'a quelqu'un caché là-dedans. Hey, toi! Hey, si je me cache dans le buisson, vous pourriez m'aider à récupérer des provisions volées? Sure! Niveau 1 en plus. Y'a deux chemins qui mènent, prennent habituellement. Ouais. Ils viennent de partir alors, choisis le bon chemin. Ah, Oregano, bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mon cher ami. Ça fait super plaisir de t'en faire là. Oh yeah! Qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que tu t'es concocté? Ah, oh, les voleurs sont là, semblerait. Divisez les provisions pour qu'on puisse s'en rendre à... Ouh, merde! Nous avons été compromis, Rocky. Oh, aidez-nous. Ah, really? Ah, vraiment? Je pense qu'ils sont partis. Donne-moi ça! Oh Seigneur, ils sont encore ici! Prenez-le! Ne nous arrêtez pas de courir! Bye! Prenez le coffre de provisions! Et vous allez tuer les chats! Oh, pas là. Miam miam. C'est ce que j'ai fait, moi, hier. J'ai mangé les pâtes. Les pâtes? J'ai mangé du macaroni avec de la sauce spaghetti de ma belle-mère. Ben, de la blinde à mon père. Merci pour les provisions, je les redistribuerai plus tard. Tenez, prenez ceci. J'ai redit la conjointe à mon père. Hello, where are you going? What's up? Where you from? T'es encore moi, y'a des traîtres ici, vous devez m'aider à les démasquer. Facile. Il y a des champs en ville, allez les voir à la cave Fartoche. C'est où c'est la cave Fartoche? Fartoche plutôt. What's up, man? How are you? Il y a quelqu'un, courez! Oh, le petit maudit. Je suis là, trouvez-moi, pas les autres! Oui. Possible dans la vie. Toujours plus vite qu'on le croit. Hey, s'il vous plaît, les ennemis sont innocents. Si vous avez besoin d'arrêter quelqu'un, arrêtez-moi. Et tu parles. Attendez, je me rappelle que Kiri
nous à présent et sang de sang royal. French. Mes rois, ces soldats enfreignent la loi pour nous aider, nous et les chats des villes. Sans eux, nous devons rendre tous nos provisions et notre or à l'armée pour la guerre. Mes rois, vous dites qu'un odeur de buisson nous a envoyé près de nous. Ce buisson doit être un espion. On doit découvrir ce buisson, vos majestés, s'il vous plaît. Retrouvez-nous dehors. Stop breathing. Maman d'arrêter de streamer, j'ai dit d'arrêter de respirer. C'est vrai, c'est déjà le soir. T'as. C'est vrai, quand t'as dit tantôt, en direct, je pensais que t'avais travaillé tout le matin, mais c'est vrai, t'as travaillé pendant la journée. Ouch. La bouche, hein. On se retrouvera ici, Majesté. Je vais imaginer un plan et on reprendra ça. Bon, c'est déjà fini. Bon, Majesté, nous avons un plan pour débusquer le buisson. On va faire des petits levels faciles. Bon, Majesté, vous avez besoin d'attirer les buissons jusqu'à nous ici. On y va, on y va, on y va! Par là, faut la tirer le buisson, je vais être rempli. Et enfin de retour, je parie que vous avez donné une bonne leçon à ces traîtres. Il faut que je vous confirme quelque chose. Monte le chemin, je vous retrouve ici. Je vous... Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je voie? Je l'ai eu! Utilise un sort magique pour se cacher, je vais annuler le sort. Qu'est-ce que c'est que vous faites, mon déguisement? Espèce de traître de l'armée royale, vous allez le regretter! Oh, un chat ninja! Vous ne savez pas qui je suis l'agent 0 Minou 7, le meilleur espion de l'armée! Mes agents sont partout. Agent 8, agent 10, sortez! Oh tabarnache. Vous allez me le payer d'avoir détruit mon déguisement. Non! Calmez-vous, agent 0! Et de 1, 2, 3. Mes rois, par ici. Merci d'avoir vaincu les espions. S'il vous plaît, prenez ceci. Nous continuerons à aider les chats des villes et des mages. Bonne chance, vos majestés. Allez, sauvegarder. Ne te laisse pas faire. Ça me stresse pas. Ça fait longtemps que je fais ça pour me casser la tête.
J'aimerais ça te voir chialer, ça serait le fun. Minou, 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 par-ci, minou, minou, par-là. Miroir, vous voudrez nous aider avec un ancien objet magique? Je te jure, vas-y. Salut, Bullstaff. Nous devons le trouver. C'est un manteau de fourrure invisible qui rend celui qui le porte invisible. Attends, la plupart d'entre nous avons trop peur de nous aventurer à l'extérieur, alors le manteau nous cachera parfaitement. Le mage grand-père semblait savoir quelque chose à ce propos, mais il a ignoré nos questions. Il est parti sur une réunion secrète quelque part près de la forêt profonde. Mais courage à roi, pourriez-vous nous écouter et prendre des notes? Oui. Commencez à prendre des notes. Alors, les jeunes recherchent le manteau d'invisibilité, mais tu vois, le manteau appartient au mage ancien et lui seul sait où il est. Et le mage ancien, celui qui a découvert la magie du temps, il a disparu il y a longtemps de cela. Il s'est retrouvé coincé dans un monde où le temps est gelé. Je crois que j'entends quelque chose. Là, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, pour trouver le magicien, nous devons déterminer dans quel royaume il se trouve, mais comment? J'ai entendu dire qu'il y avait un moyen, une fois que vous savez que le royaume existe. Adoptez son point de vue et vous trouverez l'entrée. Juste une autre précaution. Voyons, c'est bois. Je suis en panne de mana, quoi qu'il ait choix, je veux dire, c'est trop dangereux. Le jeune vous écoute, miaou, dites l'heure de rester à l'écart. Bien entendu, maintenant on devrait revenir. Vous finissez de prendre des notes. J'espère qu'il n'écoute pas, ce qui est oublié doit rester oublié. Mais ouais, vous êtes revenu, vous avez réussi à prendre des notes. Tiens. Vous avez donné... Ah, dingue, vous trouvez le manteau, nous devons trouver le magicien. Vous trouvez le magicien ancien, nous devons adopter un point de vue. Point de vue, point de vue, point de vue, point de vue. Salut, Bofta, ça va, merci. Ça y est, vous devez aller au point de vue du minois. Je crois que vous reviendrez avec le manteau de pourrir invisible des rois. Minois, minois par-ci, minois, minois par-là. Allez. Puis, qu'est-ce que tu prévois faire dans le temps de Noël, Gwen? Vu que je t'apprenne à lire. Je veux faire, c'est juste pas concentré. C'est comme n'importe quoi. Tu veux que je t'apprenne à être poli ou à être un connard, un des deux? T'es con.
Vous avez activé l'entrée. Trouvez le cercle magique qui vous mènera à moi. Recherchez le cercle magique à proximité. Recherchez le cercle magique. Bon, il trouvait. Pourquoi les chats des villes nous haïssent-ils? Nous, les mages, nous avons rien fait. Tout le monde a peur des choses qui sont différentes. Il n'y a qu'à attendre. Peut-être qu'un jour, ils y comprendront. Je vais remonter dans le temps et détruire la première source de magie. Ça devrait arrêter la discrimination. S'il n'y a pas de magie, il n'y a rien à détester. Mais vos théories de la magie du temps sont trop dangereuses. Cependant, je vais vous aider parce que nous sommes les meilleurs amis. Vous allez bien? Vous êtes blessé? C'était encore les chats des villes? Pourquoi c'est toujours comme ça? Ça suffit. Nous devons finir le sort du temps. Mais avec la magie du temps, la moindre des choses peut aller de travers. Nous devons simplement prendre ce risque. Salut Lolo! Attendez, il faut faire ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il est trop tard, une fois que je pénètre là, je peux enfin tout régler. Quelque chose ne va pas, vous avez déstabilisé le sort. Ça me dépasse, je n'y arrive pas. Ça va bien, Lolo, merci. Pourquoi ça nous aide? Pourquoi ça va nous aider? S'il vous plaît. Je suis désolé, j'essaie de vous sauver. Je ne veux que le meilleur pour nous, les mages. Aidez-moi. Je suis vraiment désolé. Pas de nouveau visage. Savez-vous que ces cristaux étaient en fait mes souvenirs? Vous m'avez aidé à me rappeler de certaines choses que les activant à l'instant. Ouais, j'ai un peu oublié après être resté coincé ici pendant si longtemps. Et puis j'ai perdu la plupart de mon pouvoir magique. Regardez comme j'ai rétréci. Mais maintenant que vous m'avez trouvé, une sortie est enfin apparue. Peut-être que je retrouverai mes souvenirs et mon pouvoir magique une fois que je partirai. On se revoit à l'extérieur. Merci de m'avoir libéré. Tenez, prenez ceci. Merci. J'ai besoin de temps pour me souvenir de tout. Je vais me reposer ici. Venez me retrouver. Hey, vous deux, je viens de me rappeler que j'avais un manteau de fourrure d'invisibilité. Mais on me l'a volé, pourriez-vous m'aider à le récupérer? Ou alors, vous aussi, vous cherchez un manteau, ça ne me dérange pas de vous le donner. Je l'ai gardé dans un coffre verrouillé, mais le coffre a été volé par des bandits d'Emeryroad. Leur cachette était à la cave de la patte, mais c'était il y a longtemps. Peut-être que vous pourrez voir s'ils sont toujours là.
Miaou, oh, par ici. C'est vous les déménageurs que le boss a engagé? Chabuleux, on a changé de cachette, boss, j'attends au bout de la cave. Des efforts, t'as mérité tes croquettes. En fait, je suis rien que descendu de niveau. Je suis revenu au début pour faire des missions que j'ai pas fait. On est coincé ici, vous pouvez nous aider à nous débarrasser. Allez, go, 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 go. Les missions, ça fait monter les levels vite. Les niveaux. Mais vous êtes en retard, on a tout enlevé. Enfin tout, sauf cet étrange coffre. Mais rien. Impossible d'ouvrir ce vieux truc. On ne sait pas qu'en faire. Hey, tu me le donnes-tu? Hey, vous en approchez pas, il est encore à nous. Vous ne pouvez pas l'emporter. M'y es-tu, toi, là? Si vous voulez, vous devez être prêt. On est très fort. Et pourquoi vous ne vous enfuyez pas? Sale des ménageurs avec vos gros muscles effrayants, prenez-le. Si. Ils ont eu peur. Merci pour le bâton. Avec leur coupe de moine centrique. Leur coupe de moine. Allez, va. Oh, ça y est, je suis puissant. J'en sens la puissance croître en moi. Voyons, je commence à croire à l'autre, j'ai misère à lire aujourd'hui. Je commence à me souvenir de plus de choses. Ah, mais je me souviens pas comment ouvrir le coffre. En attendant, prenez ça. Merci, petit guenille. Merci, revenu me voir. Je suis sûr que j'aurai plus de réponses. Ok. Salut. Je me souviens à présent, ma baguette de cerval peut ouvrir la boîte. Aidez-moi à récupérer, je vous en prie. Tabarnache. La baguette est dans mon royaume magique personnel. J'ai besoin que vous y alliez et que vous la rameniez ici. Je vais créer un sort pour révéler l'entrée. Wow. Oh, il doit y avoir un labyrinthe, suivez simplement les torches. Si je me rappelle bien, il doit aussi y avoir des raccourcis. Gardez les yeux grands ouverts. Allez, allez, c'est lent là.
Et de 1. Allez, 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 allez. Zoldikirua, comment vas-tu? Rien. Rien, merci, merci, merci. Qu'est-ce que tu vas jouer aujourd'hui, mon Zoldyck? Ah, oh, niveau 46, yes. Oh. Tu vis à une nouvelle place ou quoi?
trouver ça vite. Mais il y avait un monstre à tuer! Shit, j'aurais dû. Parfait, ça. Revenez me voir. Ouvre le coffre, vous voulez le manteau? Tellement mignon, vous pensez vraiment que j'allais vous le donner? Je suis Grindelpoil et j'utiliserai ce manteau pour peaufiner ma vengeance contre Chapeldoor. Ah, vous êtes troublé, l'un des cristaux de la mémoire était corrompu, vous vous souvenez? Comme je me souviens de tout, je vais vous le montrer. Vous savez que je voulais effacer l'existence de la magie, non? Et si j'utilisais plutôt la magie du temps pour piéger tous les chats des villes dans un rayon temporel gelé, ils erreront sans but pour toujours. Attendez, vous ne pouvez pas simplement punir les non-magiciens, deux erreurs ne feront pas la vérité. Vous traitez mal Chapeldoor. Ce n'est pas nous qui devrions changer. Vous allez vraiment le faire. Hey, c'est... Ils ont copié Harry Potter. J'essaie seulement de vous aider. Il faut que vous soyez là. La vengeance venue doit être la chatière. Je suis pas à bonne place, faut pas se faire toucher ici, c'est... Faut pas qu'il me touche, parce que s'il me touche, il me tue. Hey, ça m'avait 90, nice! Wow! Ça donne des XP, ça!
Ah bah ouais, c'est payant ça. Tant qu'à partir, nous ne devons pas mépriser les non-magiques. Mes rois, vous avez libéré Grindelwald, il est très puissant, je devrais... Vous allez faire quoi, grand-père? Vous devez le dire à Chabaldor, vous ne pouvez pas me battre. Vos apprentis vont se joindre à moi. Quoi? Vous, les deux rois, vous avez trop peur de vous rapprocher? Tirez sur le manteau fourrure invisibilité. Oh. Voyons donc comment on va battre l'ennemi invisible. Récupérez le manteau de fourrure d'invisibilité qui est tombé. Et la baguette, c'est à moi. Merci pour tout. Soupir, j'aurais pu détruire dans le passé, mais je suis enfui dans ce fardeau. Finalement, la fuite n'a fait qu'entraîner un cycle de haine, comme cette guerre. Vous tendez le manteau de fourrure d'invisibilité à grand-père. On n'a pas besoin d'être ça, on n'aurait plus qu'à courir. Nous nous battrons pour mettre fin à cette guerre. Mes rois, gardez le manteau. Merci de nous avoir sauvés. Bonne chance. Ça, c'est gentil, ça. La quête est achevée. Bon. J'ai entendu dire qu'il y avait une tablette magique dans la cave près d'ici. Montre-moi ça. Mais je n'ose pas y aller, il me semble que j'ai jeté. C'est pas une quête, il m'a rien dit d'y aller, j'ai déjà fait ça. Avez-vous entendu parler du gardien du livre? Ils peuvent y avoir été abandonnés, mais je n'ai jamais fait la quête, alors je ne l'ai jamais vu. Bon, attends-moi pas. Gwen, Beran, qu'est-ce que vous faites? Je me sens seul au monde. Y'a rien à faire, je suis seul au monde. Yennefer est un roi calémine, blablabla. Donc c'est le temps de changer de jeu!